Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième petite vidéo pour vous parler du challenge au fil des pages et des saisons organisé par Elliot et des livres. Donc si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous le mettrai en barre d'infos ainsi que la vidéo spéciale du challenge qui présente toutes les étapes de chaque saison. Donc cette année j'ai envie d'y participer, c'est un challenge qui se déroule donc comme vous l'avez compris sur toute l'année. On a 5 consignes par saison, ce qui nous laisse à peu près 3 mois pour lire 5 livres. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt raisonnable et plutôt pas mal. J'essaye de m'y tenir. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter la saison de l'automne. Donc j'ai fait un petit carnet challenge où j'ai collé un peu des autocollants de Disney, de n'importe quoi. Voilà. Et du coup, voici le petit visuel du challenge créé par Lucille. Alors, la condition numéro 1, c'est lire un livre avec un animal dessus. Donc moi, j'ai choisi un livre qui est dans ma palle depuis 3 ans, depuis que je suis allée aux Imaginales. Il s'agit de Nea Chronicle, Memento Mori, le tome 1 de Jean Vigne, qui me fait très très envie. Donc il correspond à la consigne puisque j'ai un serpent dessus, même plusieurs d'ailleurs. Voilà, il me fait très très envie. Et il me semble que je l'avais fait dédicacer, voilà. Je l'avais fait dédicacer en 2014 aux Imaginales. Donc il est temps que je le sorte de ma palle. Ensuite, la numéro 2, c'est une lecture commune qui va être votée, je crois, à la fin de la semaine prochaine. Donc je ne sais pas encore ce qu'on va lire. En ce moment, ça tourne autour de... Enfin, les suggestions tournent autour de l'affaire de Henri Kébert. Je crois que c'est ça le titre. Je ne sais plus l'auteur par contre, donc voilà, c'est un sacré pavé, mais si ça tombe sur ça, bah écoutez, je l'achèterai je pense en e-book, ce sera plus simple, pour moi c'est plus simple de lire les pavés en e-book, je me rends moins compte de la taille du livre et j'avance plus vite, c'est totalement psychologique. Hein. Ensuite, le numéro 3, piocher dans la book jar. Alors du coup, j'ai remis ma book jar à jour, donc c'était c'est une simple... En fait c'est un pot de confiture, un pot de compote que j'ai customisé avec du découpage, un petit ruban et des autocollants. Et voilà, et j'ai fait des petites étoiles. Donc j'avais pas de papier de couleur, du coup j'ai fait des étoiles blanches. Donc on va piocher dans la boucle là pour déterminer le livre que je vais devoir lire en automne. Hop. Donc pas de triche, voici ma petite étoile. Alors du coup ce sera... La cave de Natasha Preston, donc c'est un livre que m'a offert Chloé, il me semble que c'était pour mon anniversaire. Donc je vais aller vous le chercher pour pouvoir vous le présenter. Donc voici le livre que je vais devoir lire pour la consigne de la Bouja. Donc c'est La cave de Natasha Preston, c'est publié chez Hachette Roman. Et je pense que c'est un thriller psychologique. Voilà, il y a de très très bons avis, donc du coup j'ai très hâte de le lire. Voilà pour ça. Excusez-moi, j'ai perdu la page de mon challenge. Ensuite, numéro 4, lire un livre qui fait peur. Alors celui-ci, je l'ai choisi, mais je ne l'ai pas encore dans ma pile à lire. Je vais l'acheter spécialement pour le challenge. J'ai choisi de lire Nightfall de Jack Halpern et c'est publié, je crois, chez PKJ. Il me fait très très envie et je suis un petit peu flippée à l'idée de le lire puisqu'apparemment, c'est assez sombre comme roman, mais je me dis que c'est du roman adolescent, donc ça peut passer. Voici pour le numéro 4. Et le numéro 5, enfin, lire un livre qui se déroule dans une petite ville. Et donc moi j'ai choisi Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli. C'est publié chez le livre de poche Jeunesse. Je me suis pas foulée en fait, j'avoue que j'ai regardé juste les résumés de ma pile à lire. Et il y a marqué Je vis dans une petite ville en banlieue d'Atlanta. Il m'en a pas fallu plus pour choisir ce livre. Donc voici ma petite pile à lire en ce qui concerne la saison d'automne. Donc il me manque, comme je vous ai dit, Nightfall que je dois acheter et je sais pas encore si je vais l'acheter en e-book ou en papier parce que j'avoue j'aime bien la couverture papier quand même. Donc celui-ci et la lecture commune qui n'a pas encore été votée, donc voilà, dès que je saurai ça je vous mettrai le titre de la lecture commune en barre d'infos. Donc voilà pour ma petite palle d'automne concernant le challenge au fil des pages et des saisons. N'hésitez pas à me dire si vous participez aussi. Et si vous participez, n'hésitez pas à me donner votre petite pile à lire que vous êtes constituée. Je vous mettrai le lien du groupe Facebook où tout le monde, où tous les participants se réunissent pour parler autour du challenge, pour échanger. Et on se retrouve d'ici là, d'ici 3 mois pour la saison hiver.